maternelle grande section la classe va commencer clique sur le panneau ou la porte l'oiseau bleu t'aidera à t'inscrire tu pourras ressortir plus tard pour une exploration si tu veux amuse-toi bien à bientôt dans la classe clique sur ton nom ou tape chaque lettre de ton nom au clavier Clique ici pour afficher d'autres noms. Clique sur la cloche quand tu as terminé. Allez les enfants, c'est l'heure de l'école Bonjour Bienvenue à la maternelle grande section. Nous sommes heureux de t'y accueillir. Vois-tu ce qu'il y a en bas de l'écran C'est la barre d'outils. La flèche et le bouton sortie. Le point d'interrogation correspond au bouton aide. Ce bouton modifie le niveau des jeux. Ce bouton affiche ta grille d'évaluation. Pour aller d'un côté de la classe à l'autre, clique sur le bord gauche ou droit de l'écran. Au fil des jeux, tu gagneras des étoiles. Elles apparaîtront dans le coin inférieur droit de l'écran. Comme ceci. À la quatrième étoile gagnée, nous irons prendre une photo à la ferme. Puis, nous la placerons dans ton album. Si tu cliques sur l'image, elle se mettra en mouvement. Pour regarder l'une des photos que tu as prises, ouvre simplement ton album et clique dessus. Amuse-toi bien tu es prêt pour ton premier jour d'école Commence ton exploration en cliquant sur tout ce que tu trouves. Pour sortir explorer le jardin, clique simplement sur l'une des portes. Si tu sais comment jouer, clique avec la souris. Si tu ne sais plus, attends un peu. Un exemple t'est montré. Bonjour Bonjour Bienvenue au jeu du tableau d'affichage. Clique sur un mois en haut de l'écran pour afficher ses jours fériés. Tu vois le cadeau en haut de l'écran? Place-le sur le mois de ta naissance et tu auras une surprise quand ce mois arrivera. Tu n'es pas sûr de la date de ton anniversaire? Ça ne fait rien. Demande à tes parents et nous ferons cela plus tard. C'est juillet, le septième mois de l'année. C'est la fête nationale. On célèbre la prise de la Bastille. On va voir les feux d'artifice et on danse dans les balles. C'est janvier, le premier mois de l'année, le jour de l'épiphanie, on mange la galette des rois. La personne qui trouve la fève devient le roi ou la reine et choisit son roi ou sa reine. Il porte une couronne. C'est février, le deuxième mois de l'année. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. On s'offre des fleurs et des chocolats. C'est mars, le troisième mois de l'année. Le printemps commence le 21 mars. C'est la saison où les fleurs poussent et toute la nature verdit. C'est avril, le quatrième mois de l'année. Le 1er avril, on fait des blagues. On accroche un poisson en papier dans le dos des gens. On crie ⁇ Poisson d'avril !⁇ C'est mai, le cinquième mois de l'année. Le 1er mai, c'est la fête du travail. On va se promener dans les bois et on ramasse un brin de muguet. C'est un porte-bonheur. C'est juin, le sixième mois de l'année. En juin, c'est la fête des pères. N'oublie pas de la souhaiter à ton papa. C'est juillet, le septième mois de l'année. C'est la f... août, le huitième mois de l'année. Pendant le mois d'août, les enfants sont en vacances et profitent du soleil. C'est l'été. C'est septembre, le neuvième mois de l'année. L'automne commence le 23 septembre. Les feuilles des arbres tombent et les enfants retournent à l'école. C'est octobre, le dixième mois de l'année. C'est Halloween Les sorcières et les fantômes sont de la fête Les enfants se déguisent et passent de maison en maison pour qu'on leur donne des bonbons. C'est novembre le 11e mois de l'année. Le 11 novembre, on célèbre la fin de la Première Guerre mondiale. On dépose des fleurs sur la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe à Paris. C'est décembre, le dernier mois de l'année. À Noël, le Père Noël descend par la cheminée et y dépose des cadeaux. C'est juillet, le septième mois de l'année. C'est la fête nationale. On célèbre la prise de la Bastille. On va voir les feux d'artifice et on danse dans les balles. Bonjour. Mes grands-parents m'ont laissé cette horloge en héritage. Elle est très spéciale. Elle peut te montrer les activités d'un enfant pour chaque heure de la journée. Midi. Déjeuner avec maman. Clique sur un des nombres de l'horloge pour savoir ce qui se passe à cette heure-là. 4 heures de l'après-midi. Je danse sur la musique. Minuit. Je dors profondément. 1 heure du matin, je dors profondément. 2 heures du matin, je dors profondément. 5 heures du matin, je dors profondément. 6 heures du matin, je dors profondément. 7 heures du matin, je dors profondément. 8h du matin. C'est le petit déjeuner. 9h du matin. Je pars pour l'école. 10h du matin. La maîtresse m'apprend plein de choses. 11h du matin. Je joue dans la cour. Midi. Déjeuner avec maman. 1h de l'après-midi. J'aide à faire la vaisselle. 2 heures de l'après-midi. Je fais la sieste. 3 heures de l'après-midi. Je danse sur la musique. 4 heures de l'après-midi. C'est le goûter. 5 heures de l'après-midi. Retour à la maison. 6 heures du soir. Je prends un bain. 7 heures du soir. Dîner avec maman et papa. 8 heures du soir Je me lave les dents 9 heures du soir Papa me lit une histoire 10 heures du soir Je dors profondément 10 heures du matin La maîtresse m'apprend plein de choses Bonjour Bonjour! Bienvenue au jeu du puzzle! Nous pouvons te proposer plusieurs puzzles différents. Y a-t-il des fromages en puzzle? Ah, nous avons des puzzles avec des nombres, des lettres, des sons et des rimes! Une rime? Euh, oui, comme. Euh, du bris, je t'en prie! Eh bien, il y en a aussi sur les contraires, les associations, les paires, les formes! C'est beau, un bout de fromage! D'autres sur les tailles et les couleurs. Si tu veux changer de jeu, clique sur la pièce du puzzle en bas de l'écran, puis sur le puzzle avec lequel tu veux jouer, puis clique sur le type de puzzle qui te plaît. Amuse-toi bien. Apprenons l'alphabet. Trouve la case qui commence par la lettre P. P. Trouve la case qui... H. Trouve la case... Y. Trouve la case... L. Trouve la case... N. Trouve la case qui commence par la lettre Q. Q. Trouve la case... T. Trouve la carte R Trouve la carte H Oh, tu as eu toutes les pièces Belle image, n'est-ce pas Trouve la carte Clique sur le puzzle de ton choix Apprenons les sons Trouve l'objet qui commence par la lettre V Vase Trouve l'objet qui commence par étoile Trouve l'objet qui commence araignée Trouve l'objet qui commence par la lettre savon Trouve l'objet qui... enveloppe Trouve l'objet chauve souris Trouve l'objet canne Trouve l'objet qui comme bûche. Trouve l'objet qui comme bâton. Oh! tu as eu toutes les pièces? Belle image, n'est-ce pas Apprenons l'alphabet. Trouve la case Clique sur le puzzle de ton choix. Apprenons les associations. Trouve l'objet qui va avec clou, marteau. Trouve l'objet qui va avec. Apprenons les couleurs. Trouve l'objet de cette fantôme. Trouve l'objet de cette couleur noir. Trouve l'objet de cette couleur, violet. Trouve l'objet de cette couleur, cochon. Trouve l'objet, fantôme. Trouve l'objet, Oh. Trouve le lasage. Trouve l'objet, fleur. Trouve le fer à repasser. Oh, tu as eu toutes les pièces! Belle image, n'est-ce pas? Trouve l'objet de cette. Bonjour! A comme abeille. B comme bateau. C comme chien. <laughs> D comme dinosaure. <truits> e comme éléphant. <truits> F comme fourchette. <truits> G comme guitare. H comme hippopotame. I comme igloo. J comme journal. K comme kangourou. L comme lune. M comme montre. N comme nid. O comme orange. P comme pieuvre. Q comme queue. R comme reine. S comme savon. T comme tortue. U comme uniforme. V comme vampire. W comme wagon. X comme xylophone. Y comme yo-yo. Z comme zèbre. Belle photo. Clique dessus pour l'animer. À présent, clique dessus et regarde. Pour voir une autre page de photos, clique sur une des flèches dans les coins supérieurs de cette page. Pour revenir dans la classe, Clique sur la flèche Sort. Il faut avoir gagné 4 étoiles pour voir des photos. Bonjour! Cette radio est très spéciale. Non seulement elle joue de la bonne musique, mais elle t'offre un spectacle de marionnettes sur les paroles. Pour écouter une autre chanson, clique sur un des boutons de la radio. ABC. H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V W-X-Y-Z Je connais mon alphabet La prochaine fois chante-le avec moi Un garçon aime une fille Mais que la fille n'aime pas le garçon C'est l'éléphant dans un jeu de quilles C'est le soleil sur un glaçon La, la cucaracha, cucaracha, la cucaracha Non, jamais elle ne tricha La cucaracha, cucaracha, cucaracha la cucaracha Avec ses yeux verts de chat la cucaracha, la cucaracha. Non, jamais elle ne tricha. La cucaracha, la cucaracha. Avec ses yeux verts de chat. Tu es un pays des nombres, grands chiffres et petits. En voici pour toi parmi tout ce qu'il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tu le danses dans l'autre sens 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 pour ton nez 10 tes doigts de pied 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Prenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. Louis es-tu Que fais-tu Entends-tu je mets ma chemise. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. Louis es-tu Que fais-tu Entends-tu Je mets ma culotte prenons nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? J'arrive. Ah Et mouche ne. Bienvenue au jeu du tableau. J'aime les phrases amusantes. Toi aussi, écoute bien ce que je dis et clique sur l'image correspondant à la phrase. Bon, écoute bien. Maman, chatouille, un monstre. Maman, chatouille, un monstre. Excellent. Tu es prêt Le roi chatouille un éléphant. Le roi chatouille un éléphant. <laughs> tu as réussi <laughs> Tu es prêt Lucie court après un clown. Lucie court après un clown. Excellent Tu es prêt Le roi court après. Un éléphant. Le roi court après. Un éléphant. Tu as réussi. Tu es prêt Papa dessine. Un chien. Papa dessine. Un chien. Tu as vraiment bien compris ce jeu. Tu as gagné une étoile. Tu es prêt. Bienvenue à nouveau au jeu du tableau. Écoute bien la phrase que je vais énoncer. Puis, choisis les images du tableau qui correspondent à cette phrase. Je peux t'aider Clique sur moi et je répéterai la phrase. Maman, cours après. Un chien, joyeux, dans la classe. Maman, Cours après. Un chien joyeux dans la classe. Gagné. Le roi, regarde. Un chien peureux dans la jungle. Le roi, regarde. Un chien peureux dans la jungle. Tu as réussi. Papa, joue avec. Un clown amoureux dans la baignoire. Papa, joue avec un clown amoureux dans la baignoire. Excellent. Papa, regarde un clown triste dans le château. Papa, regarde un clown triste. Dans le château, tu as vraiment bien compris ce jeu, tu as gagné une étoile. Bonjour. Allez Roquefort, conduis-le par ici. C'est ça. Maintenant, freine. Le, le frein Roquefort. Roquefort, le frein Oups, j'en avais presque oublié le frein. J'ai trouvé du fromage près du moteur. Tu ne penses qu'au fromage, c'est ça Non, je pense aussi à des gâteaux. Oh, mon ami, bonjour. Je m'appelle Raoul et voici mon copain Roquefort. Es-tu prêt à jouer Nous allons mélanger ces poupées. Regarde bien. Maintenant, remets-les dans le bon ordre. De la plus grande à la plus petite. Bien, mélangeons-les. À présent, mets les poupées dans le bon ordre. De la plus petite à la plus grande. Fantastique. Roquefort, s'il te plaît. À présent, mets les poupées dans le bon ordre. De la plus grande à la plus petite. Hé, hey, tu as réussi! Roquefort, s'il te plaît, le wagon suivant. Mélangeons-les. À présent, mets les poupées dans le bon ordre. De la plus grande à la plus petite. Excellent. Roquefort, s'il te plaît, le wagon suivant. Bien, mélangeons-les. À présent, mets les poupées dans le bon ordre. De la plus petite à la plus grande. Fantastique. Roquefort, s'il te plaît, le wagon suivant. Bien, mélangeons-les. À présent, mets les poupées dans le bon ordre. De la plus petite à la plus grande. Tu as bien placé les poupées. Tu as gagné une étoile. Clique sur l'animal que tu veux photographier. Nous pourrons ensuite mettre sa photo dans ton album. Regardons la photo dans l'album. Quelle belle photo, cochon d'Inde. Bonjour Bienvenue au lanceur de formes C'est notre jeu préféré, n'est-ce pas Roquefort Eh oui, car on joue pour du fromage Ce jeu est très amusant Il consiste à associer les formes et les couleurs des blocs qui tombent à celles des éléments du bas de l'écran. Dirige les pièces qui tombent vers la droite ou vers la gauche en cliquant sur l'une des mains Utilise les flèches de ton clavier. Tu peux les faire tomber plus vite avec la barre d'espace. Quand la ligne du bas est remplie, notre ami peut prendre le fromage. Pour changer de niveau, clique sur la barre d'outils. À ton avis, Raoul, il partagera le fromage À toi mmh Prêt à jouer Allons-y Droite. Ga ga gauche 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 Gauche, gauche. Ga Dro Droite Dro Droite Dro Droite Bravo Tu as réussi Brie a eu le fromage J'aimerais bien être à sa place Gauche. 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 Droite. 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 Gauche. Bien joué. Il a eu le fromage. Gauche. Droite. 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 Droite 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 ga gauche ga gauche bien joué il a eu le fromage droite gauche gauche droite droite, droite. Ga gauche gauche Droite, gauche Bravo Tu as réussi Brie a eu le fromage J'aimerais bien être à sa place Dro droi Droite, 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 gauche Gauche Droite, droite, droite. droite. gauche Gauche Bien joué Il a eu le fromage Ga gauche, gauche, dro droite, Ga gauche, droite, 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 droite. Remarquable Bonjour Hey Roquefort, on joue avec les cubes J'aimerais oh. beaucoup jouer avec les cubes. Roquefort, tu ne sais pas qu'il est impoli de parler la bouche pleine euh, Oui, désolé. Clique sur les cubes avec lesquels tu veux jouer. Regarde attentivement le mélange des cubes. Maintenant, replace les nombres dans le bon ordre, comme si tu comptais. Si tu ne sais pas ce qui vient ensuite, regarde la barre pour trouver le bon ordre. Amuse-toi bien. Clique sur un cube pour le prendre. Clique deux. Bonjour, tu... Regarde attentivement. Maintenant, re... 11. Ah Allons-y. Recommence. Regarde attentivement le mélange des cubes. Maintenant, 0. Ah tu les as tous mis dans le bon ordre. Recommence. Regarde attentivement le mélange des cubes. Maintenant, 7, 10. Tu les as tous mis dans le bon ordre. Recommence. Regarde attentivement le mélange des cubes. Maintenant, replace 8, 9. <t en> <t en> Excellent travail. Tu es doué. Il est temps de te donner une étoile. Regarde attentivement. Maintenant, regarde attentivement le mélange des cubes. Bonjour. Regarde attentivement le mélange des cubes. À présent, S Allons-y Recommence Regarde attentivement le mélange des cubes. À présent, L. M. N. J. K. Ah Très impressionnant Recommence Regarde attentivement le mélange des... À présent, re... M N O P ah Tu maîtrises l'alphabet Recommence Regarde attentivement le mélange des cubes. À présent, replace les lettres S, U, X. Excellent travail. Tu es doué. Il est temps de te donner une étoile. Regarde attentivement le mélange des cubes. À présent. Bonjour. Dessinons. Tu peux utiliser le pinceau. Pour le contour et le pot pour colorer l'intérieur des images que tu vois à l'écran. Clique sur ta couleur préférée et vois ce que tu peux peindre. Mais d'abord, clique sur l'élément qui ne fait pas partie du thème de l'espace. Modifie l'image en cliquant sur n'importe quel élément. Clique sur le mixeur pour mélanger les images. Quand l'image te plaît, choisis une couleur pour la colorier. Orange. Vert clair. Tu dois trouver la partie manquante du visage avant de pouvoir colorier l'image. Bravo Bien joué Modifie l'image. violet bleu clair désolé ceci ne peut pas être modifié quand tu peins clique sur l'élément qui n'appartient pas à l'océan bravo bien joué maudit clique sur l'élément qui ne fait pas partie du thème de Bravo, bien joué Clique sur l'élément qui n'est pas lié au sport. Bravo, bien joué Mo Clique sur l'élément qui ne fait pas partie du cirque. Bravo, bien joué Modifie l'image Clique sur l'élément ne correspondant pas au dinosaure. Bravo, bien joué Modifie l'image en cliquant sur n'importe quel élément. Bonjour! Voici l'armoire. Nous gardons toutes sortes de choses à l'intérieur. Clique sur un des objets. Je te dirai son nom et te donnerai son orthographe. C'est une montre. Ce mot commence par le son me. C'est un nid. Ce mot commence par le son ne. C'est un yo-yo. Ce mot commence par le son ye. C'est un cadeau. Ce mot commence par le son que. C'est un xylophone. Ce mot commence par le son x. C'est un vase. Ce mot commence par le son ve. C'est un bateau. Ce mot commence par le son B. C'est une fermeture éclair. Ce mot commence par le son ⁇ feu ⁇ Bonjour 1 2 3 4 5 Bienvenue au terrain de jeu Nous te proposons le jeu de la cage au ballon et une course d'obstacles. Mais fais attention, ne va pas trop vite Tu peux faire un tour dans notre jardin là-bas. Tu y trouveras quelques jeux. Explore cet endroit en cliquant ici et là. Tu y trouveras plein de choses amusantes. Bonjour Voici la cage au ballon de notre école. Le but est d'attraper celui qui flotte tout en haut. Ça paraît simple, non Mais, nous avons un petit problème. L'écureuil ici présent le veut aussi. Si tu suis attentivement mes instructions, nous pourrons atteindre le sommet avant l'écureuil. Chaque fois que tu cliqueras sur la bonne lettre, ton ami s'approchera du ballon. Mais il faudra te presser. Cet écureuil aime beaucoup les ballons. Prêt C'est parti Oh, joli Va jusqu'en haut en suivant la série de ballons avec la lettre majuscule E. Monte jusqu'en haut de la cage en suivant la série de ballons avec la lettre F. C'est ça que je voulais. Suis la série de lettres dans l'ordre alphabétique jusqu'en haut de la cage au ballon en commençant par la lettre K. Eh, c'est ça que je voulais. Bonjour à nouveau sur le terrain de jeu, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à la course de tricycle de la maternelle grande section Conducteur du jour, Alf A. Bétique, aide ton ami à gagner la course d'obstacles de notre école. Passe par les obstacles portant la bonne réponse. Passons par les images qui commencent par le son B. Pour faire passer le tricycle d'un couloir à l'autre, clique sur une des flèches de l'écran ou les touches de direction du clavier. Mais attention aux objets portant une mauvaise réponse! Tu devras recommencer là où tu t'es trompé. Et n'oublie pas, trois mauvais choix et il faudra tout recommencer. Comptons de 1 en 1. Passe par les nombres dans le bon ordre en commençant par 1. Prêt. Partez! Bienvenue de nouveau à la course de tricycle de la maternelle grande section. Prêt pour la course Suis la bonne séquence jusqu'à la ligne d'arrivée. Comptons de 1 en 1. Passe par les nombres dans le bon ordre en commençant par 2. Prêt Partez Deux, trois, quatre, cinq, six. C'était très bien! Jouons encore! Comptons de 1 en 1. Passe par les nombres. Nous revoici à la course de tricycle de la maternelle grande section. J'espère que tu as pris tes lunettes de course. Pour atteindre la ligne d'arrivée, suis les bonnes réponses. Comptons de 2 en 2. Passe par les nombres dans le bon ordre en commençant par 14. Prêt.

22 24 <laughs> C'était très bien. Jouons encore. Comptons de deux. Bienvenue à nouveau sur le terrain de jeu. Ah, oh, j'aime le jardin où Mère Nature nous offre des fleurs à humer et de quoi manger, sauf si ce maudit rongeur les attrape en premier. Clique sur le panier pour jouer au jeu des récoltes, ou bien clique sur l'arrosoir pour le jeu d'eau. Pour le jeu des récoltes, je t'indiquerai le type et le nombre de plantes qu'il me faut. Puis, clique sur ces plantes pour les prendre. Tu devras faire. Maintenant, il me faut 4. Une fleur bleue. Prêt Partez 1, 2, 4. Bon travail Tu as choisi le nombre exact Maintenant, il me faut 8 tomates. Prêt Partez. 1 2 3 5 6 7 8 Oh, tu as réussi Juste ce qu'il me fallait. Maintenant, il me faut 4 Fraise, prêt? Partez! 1, 2, 3, 4. Oh, tu as réussi! Juste ce qu'il me fallait. Maintenant, il me faut 8 tournesols, prêt? Partez! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Bon travail! Tu as choisi le nombre exact! Ce rongeur est très affamé. Il faut faire vite. Je te dirai le type et le nombre de plantes qu'il me faut. Puis, clique dessus pour les ramasser. Quand tu auras pris le nombre exact, clique sur le panier. C'est le dîner Maintenant, il me faut 8 carottes. Prêt 1 2 4 5 6 7 c'est l'heure du dîner 8 Oh tu as réussi juste ce qu'il me fallait maintenant il me faut 8 roses rouges prêt J'aime créer des suites dans mon jardin. Une suite, ça se compose d'éléments dans un certain ordre. Tu peux deviner ce qui suit. Comme ça. Une carotte. Du maïs. Une carotte. Du maïs. Une carotte. Sais-tu quelle plante va pousser ensuite Clique sur l'un des sacs de... Recommençons J'aime créer des suites dans mon jardin. Sais-tu quelle plante vient ensuite Clique sur l'un des sacs de graines en bas de l'écran. Mais attention, ce rongeur semble affamé. Une fleur bleue. Du maïs. Une fleur bleue. Sais-tu quelle plante va pousser ensuite Du maïs. C'est exactement ça. Une fraise. Du maïs. Une fleur bleue. Une fraise. Du maïs. Sais-tu quelle plante va pousser ensuite une fleur bleue, c'est exactement ça. Du maïs. Une fleur bleue. Une fraise. Du maïs. Une fleur bleue. Sais-tu quelle plante va pousser ensuite? Une fraise, encore gagnée. Tu es formidable. On continue? Un tournesol. Une fraise. Un tournesol. Sais-tu quelle plante va pousser ensuite Une fraise. C'est cela. Bien joué. Une fraise, bienvenue à nouveau sur le terrain de jeu. Bonjour. Bonjour. Bonjour Belle photo Clique dessus pour l'animer. Bonjour Veux-tu accéder à ta grille d'évaluation Bienvenue dans la grille d'évaluation Pour quitter, clique sur la flèche verte sortie de la barre d'outils. Je suis Prosper le hamster, un type vraiment super. Je joue de la trompette, mais j'aime aussi jouer à cache-cache avec toi. Clique sur moi et regarde-moi disparaître. A plus tard. Le calendrier divise le temps. Je me cache dans le mois où commence le printemps. Bonjour. Le calendrier divise le temps. Je me cache dans le mois où commence le printemps. Bienvenue à nouveau dans le... Bonjour C'est juillet, le septième... Hé hey, hé hey, Tu m'as trouvé c'est mars, le troisième mois de l'année. Le printemps commence. Bonjour. Bonjour. Veux-tu accéder à ta... Bienvenue dans la grille d'évaluation. Pourquoi... Je ne suis pas ici. Sous le soleil qui brille, je suis bien caché. Je suis dans un mois des vacances d'été. Bonjour Es-tu sûr de vouloir arrêter de jouer T D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Je connais mon alphabet. Bienvenue dans le test d'évaluation de la famille coup de pouce. Entre ton nom pour commencer le test. Bonjour, je m'appelle Gibelotte. Est-ce que tu sais ce qu'on fait en maternelle, grande section Je vais tout expliquer au fur et à mesure. Écoute bien la question. Si tu n'es pas sûr, prends ton temps et réfléchis. Clique sur moi si tu veux que je répète la question. Clique sur le point d'interrogation si tu as besoin d'aide. Clique sur la flèche si tu veux quitter le test. C'est parti. Est-ce que tu peux reconnaître les lettres majuscules et les lettres minuscules Clique sur la lettre R. C'est bien Prépare-toi pour la deuxième question. Clique sur la lettre E. Fantastique Voilà la troisième question. Clique sur la lettre Q. Quelle réussite! Tu peux essayer une nouvelle matière. Tu sais mettre les lettres dans le bon ordre? Allons voir. Clique sur les lettres qui sont dans le bon ordre. B, C, D, D, F, E, G, F, E, E, D, C. C'est bien! Prépare-toi pour la deuxième question. Clique sur les lettres qui sont dans le bon ordre. F-H-G-I-E, E-F-G-H-I, C-D-E-G-F, H-I-J-K-G. Fantastique! Voilà la troisième question. Clique sur les lettres qui sont dans le bon ordre. Q-R-S-T-P-O. N-M-O-P-Q-R. P-Q-R-S-T-U. I-H-G-J-F-K. Quelle réussite Tu peux essayer une nouvelle matière. Peux-tu associer des mots et des images Clique sur l'image semblable à celle-ci. C'est bien Prépare-toi pour la deuxième question. Clique sur l'image semblable à celle-ci. Fantastique Voilà la troisième question. Clique sur l'image semblable à celle-ci. Quelle réussite Tu peux essayer une nouvelle matière. Est-ce que tu sais associer des sons et des lettres Clique sur la lettre avec le son ce comme dans singe. C'est bien Prépare-toi pour la deuxième question. Clique sur la lettre avec le son feu comme dans fleur. Fantastique Voilà la troisième question Clique sur la lettre avec le son O comme dans Orange. Quelle réussite Tu peux essayer une nouvelle matière. J'aimerais savoir si tu peux reconnaître les formes, les couleurs et les modèles. Clique sur ce qui est rouge et rond. C'est bien Prépare-toi pour la deuxième question. Clique sur ce qui est bleu et rayé. Fantastique voilà la troisième question. Clique sur ce qui est rouge, rond et avec des étoiles. Quelle réussite! Tu peux essayer une nouvelle matière. Sais-tu placer quelque chose du plus petit au plus grand? Quel groupe de cochons est dans le bon ordre? Du plus petit au plus grand. C'est bien! Prépare-toi pour la deuxième question. Quel groupe de dinosaures est dans le bon ordre? Du plus grand. Au plus petit. Fantastique. Voilà la troisième question. Place les ballons dans le bon ordre. Du plus petit au plus grand. Clique sur les ballons et mets-les dans les boîtes de gauche à droite. Quelle réussite. Tu peux essayer une nouvelle matière. Je vais te lire une phrase. Choisis l'image correspondante. Clique sur l'image qui décrit la phrase ⁇ Le chien mange un os ⁇ C'est bien Prépare-toi pour la deuxième question. Clique sur l'image qui décrit la phrase ⁇ La fille joue au ballon dans le parc Fantastique ⁇ Fantastique Voilà la troisième question. Clique sur l'image qui décrit la phrase ⁇ Elle plante beaucoup de fleurs dans le jardin ⁇ quelle réussite Tu peux essayer une nouvelle matière. J'aimerais savoir si tu sais compter. Clique sur l'image qui a 8 grenouilles. C'est bien Prépare-toi pour la deuxième question. Clique sur l'image qui a 12 oiseaux. Fantastique Voilà la troisième question. Clique sur les nombres qui sont dans le bon ordre, du plus petit au plus grand. 3 onze, quatre. quinze, seize. vingt, sept. quatorze. neuf, dix-huit. vingt, six. treize. quatorze. quinze. seize. dix-sept. dix-huit. douze. dix-sept. vingt. treize. huit. dix. Quelle réussite Tu peux essayer une nouvelle matière. J'aimerais savoir de combien de façons tu sais compter. Clique sur le groupe où les nombres sont comptés d'un en un. 13, 20, 17, 19, 21, 23, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 25, 26, 27.

20, 25, 30, 35, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 10, 18, 25, 31, 35. Fantastique! Voilà la troisième question. Clique sur le groupe où les nombres sont comptés de deux en deux. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 3, 5, 10, 20, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 2, 6, 10, 14, 18, 22. Quelle réussite Tu peux essayer une nouvelle matière. Je vais te montrer une série de choses. Devine ce qui vient ensuite. Complète le modèle suivant. Une orange. Deux pommes. Une grappe de raisin. Deux oranges. C'est bien Prépare-toi pour la deuxième question. Complète le modèle suivant. Deux arbres. Une banane. Un soleil. Un arbre. Fantastique Voilà la troisième question. Complète le modèle suivant. Un citron vert. Un citron. Deux ballons. Une orange. Quelle réussite Tu peux essayer une nouvelle matière. Tu as fini Super Allons voir tes résultats. Pour intégrer les résultats du test dans maternelle grande section, imprimez cet écran ou notez les niveaux avant de retourner dans le jeu. Lorsque vous changez d'activité, cliquez sur l'icône des niveaux. Sélectionnez le niveau approprié à l'activité à partir des résultats du test. De cette façon, vous optimiserez l'utilisation de maternelle grande section.